Genre, il y a une invasion franco. En gros, t'as des Français, des Allemands et des Polonais en GM. Et ensuite des joueurs pros. Mais c'est vraiment ça, en fait. Ça. Et après, des mecs, voilà, un petit peu de partout en Europe. Ok, eh bien, figurez-vous qu'on est live. Vous vouliez voir Petit Drogo, votre champion DreamHack, bien sûr, DreamHack Leipzig. Première fois de sa carrière, un tournoi majeur. Je pense qu'on peut faire la transition avec la prob, puisqu'on suit un joueur Protoss. Ouais, bon, Yata est bourré. Hein. C'est ça, tu tapes plusieurs fois, puisque tu as bien entendu Yata à la réalisation. En bas à gauche, pour la team My Insanity. Il s'agit de Petit Drogal. Alors, je crois que Geek Physicist nous fait une donation pour nous dire qu'il nous abandonne pour Donjon et Jambon. Bâtard ! Non, c'est cool. Donjon et Jambon, la qualité, bien sûr. En haut à droite, du coup, récente recrue Nuit Blanche pour le Royaume-Uni. Il s'agit de Johnny Rico. Surtout que c'est un pseudo assez étrange, je trouve, Johnny Rico. Il n'est pas écossais, d'ailleurs. Aucune idée. Parce que si je me souviens bien, il y avait un délire comme ça. Quand Johnny Rico gagne, c'est le Royaume-Uni. Quand il perd, il est écossais. Les Anglais qui ont un certain attachement pour les joueurs écossais, notamment Murray au tennis. Bah, parce que c'est le seul qui fait à peu près. C'est ça. Vaguement du résultat, en fait. Enfin, bon, le problème, c'est qu'il y a Djokovic dans tous les tournois de la planète, en fait. Donc, du coup, ils peuvent pas vraiment gagner. C'est ça. Ils ont pas trop le droit, en fait. De temps en temps, t'as le droit d'aller en finale. C'est marrant parce que la première fois que je l'ai vu à Roland-Garros, ce mec-là, j'avais call qui serait très, 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 très fort. Et qu'en plus, il était drôle en interview. Mais je suis assez satisfait de voir qu'il est en train de dominer le tennis mondial. Ce qui est triste avec Djokovic, c'est que depuis qu'il est devenu fort, il est vachement moins drôle. En interview ? Non, sur le terrain. Tu te souviens de ses imitations, notamment quand il jouait face à Nadal et qu'il imite tout le rituel de concentration de Nadal avant le service, c'est à mourir de rire. En plus, en face, ça doit être insupportable. Ça doit pas le faire rire. Ouais. Petit salaud. Alors du coup, Petit Drogo qui va scouter, et non pas Petit Salaud. Nexus. Gate, Nexus, toi. Alors Amiral Sims, là on ne voit pas tout, mais je vois Boxer, Nada, Yellow, Gr, Elki aussi, tant qu'on y est. Non, c'est Boxer, Nada, Yellow, Gr, c'est les 4. C'est les 4 en fait. Et 20 février, show match avec ces 4 mecs là sur Boudoir. Alors les 3 premiers vous disent peut-être quelque chose, notamment les 2 premiers. Le dernier, c'est le seul foreigner de tous les temps à avoir gagné une Star League, Guillaume Patry, De son vrai nom, québécois, joueur ultra inventif à l'époque, ultra fort et qui joue à random en fait. C'est ça. Aussi. Et qui a fait, comme Elki, le pari d'aller en Corée à l'époque où l'e-sport en tant que monde ne devait même pas exister. Et alors tu sais ce qu'il fait maintenant ? Il fait pas du poker comme tout le monde ? Non, il a un talk show sur la TV coréenne, mec. Ah oui, c'est vrai que lui, c'est complètement intégré. Ouais, c'est un talk show avec que des personnalités justement non coréennes qui sont ensemble et qui parlent et qui font une émission en coréen. Et que les gens kiffent en fait. Trop bien apparemment. J'ai jamais regardé une émission encore, mais j'ai entendu parler de ce truc là et je me suis dit putain, ça doit vraiment être trop fun, tu vois. C'est ça, faut juste trouver les subs qui vont bien. Alors du coup on a 2 adeptes qui sont sortis. Du coup ce build order m'a un peu mis dans le double adepte, double sentry où tu prends. Mais c'était un Nexus First double adepte. C'est ça, Nexus First, double gate, double sentry, tu prends B3 et tu rushes les charlottes. Non mais autant pour moi. Ouais, le patch est passé sur les adeptes, tu peux enfin gagner en TVT. Ils font 22 maintenant, ils font 23. Il ne marche pas pour tout le monde apparemment. Et notamment le patch qui s'est traduit l'an prochain pour la semaine dernière. Puisque là on a 2 premières journées, aujourd'hui et demain, où on qualifie 4 joueurs pour une finale d'une certaine façon. Samedi et samedi dernier, ce sont les Protoss qui venaient de se faire nerfer, qui s'en sont méga bien sortis. C'est ça. Comme quoi 3 Protoss, 1 Zerg au final. 2 Protoss. 1 Zerg interne. 2 Protoss, 2 Zerg. Ouais, truc interne allait se qualifier. Voyons, on est en Europe. T'es dur. Je te trouve dur. Marine Lord est déjà passé. Est déjà qualifié. Non mais c'est un bon bracket bien européen, 5 Zerg, 2 Protoss, Interan. Oui. Qui représente non pas la balance mais l'équilibre des races sur le serveur. Alors, 2 gates de plus pour Petit Drogo. Et là voilà, tu vois la B3. Bon, l'overcharge a été nerfé dans le sens que. Tu peux plus la balancer sans te poser de questions. Voilà, ça coûte 50 d'énergie, elle dure un peu plus longtemps. Et l'attaque un poil plus vite, tu fais 5 attaques en 4 secondes au lieu de 5 attaques en 4 attaques en 5 secondes. C'est ça. Je pourrais pas t'aider. Dans tous les cas, ça tape plus vite. Ouais, ça tape beaucoup plus vite. J'ai pas fait les maths du truc, mais. Ouais. Et il y a la double stargate. Et ça dure plus longtemps. Petit point aussi sur. Alors, il y a un truc qui est assez bâtard.
quand vous voyez un patch note et tout, des fois tu t'inquiètes. Et en fait, il faut savoir que dans le patch note, tout n'est pas encore passé en temps réel. Non, mais ça, c'est quand même débile à souhait. Hein, parce qu'ils avaient dit, ouais, la poussée photonique dure de 15 à 20 secondes. Ouais, alors c'est de 11 à 14 en fait. C'est ça, ça dure 14 secondes. Parce qu'en temps réel, ça dure 14. Enfin, et du coup, il faut vraiment faire attention avec les infos des patch notes. C'est quand même dommage de devoir faire attention aux infos que les patch notes de la compagnie en question a envoyé, mais bon. Bon, fameux, voilà, Drogo, il y aura toujours ça dans ces games, je crois que c'est le truc qu'il préfère. Random Timing Adapt. Et si possible, le plus random possible en fait, puisque tu espères trouver ton adversaire à poil. Le passeport de la poil du Titan est pas entièrement réel, mais il est quand même bien présent. Il y a que le Zeroch et les Ermines face à 9 adeptes. Il n'y a pas l'upgrade hein, sur les adeptes non plus. Hein. Ouais. Le kite va être efficace, est-ce qu'il va y aller? Non, il cancel et il recule. C'est ça, tu dégraisses un peu. De toute façon, tu pars sur une vraie micro game. Double target Phoenix, alors on ajoute entre 1 et 3 robots. 1 c'est rare, 2 est vraiment le standard. Régulière. 3 c'est quand tu t'appelles Lutebog, tu trouves que les immortels c'est vraiment vachement bien. Bon, ça bat. Ah non, mais il les paye, donc c'est cool. Hein. Ouais. Si tu fais tes immortels 3 par 3, moi j'ai pas de soucis. Mais c'est marrant de voir qu'il n'y a pas de consensus en fait sur le nombre de robots. Puisque la compo est là. Alors merde le plus ça. Bataille Hydralisque qui va arriver de la part de Johnny Rico qui pendant le même temps a réussi à positionner B4 et il a un clip spread déjà plutôt bien développé. Et on le rappelle sur cette carte, c'est un des enjeux hein, de la map. Arriver à prendre B4 en PVZ, c'est pas évident, enfin même en TVZ d'ailleurs dans une certaine mesure. Prendre B4 pour le Zerg, c'est toujours assez complexe. Et là tu as mentionné Chris Pett, la destruction des cryos. Alors je sais pas comment Johnny Rico joue. Maintenant avec mon idée de Johnny Rico, bah, on le retidera comme un sac. J'aurais tendance à dire camping Swarmos into Broodlord. D'accord. Et on a plus l'air de partir sur un timing Rotidra. Donc plutôt camping Lurker en fait. Camping Lurker into Broodlord. Là par contre quand tu fais l'amélioration de la vitesse et de la distance des idées en premier, c'est que t'as envie de bourrer. Bat à Bedling, la Haim, Johnny Rico, serait-il devenu créatif? On va voir ça dans quelques instants. Premier Hydralis qui va se faire intercepter ici de la part de Petit Drogo. C'est pas mal fait. Par contre, là, il y a beaucoup d'Hydra. Va falloir songer à reculer. Ça va coûter 3 Phoenix, histoire pour. Pardon. Pour 3 Hydra. Le trade n'est pas forcément le meilleur possible. On est sur 2 robots côté Drogal. Et on a la Templar Archive qui est en train de se terminer. Avec seulement le plus 1. On a vu pas mal de games récemment, que ce soit en Race War ou même en GSL, où le plus 1 était recherché vite, on positionnait la forge très très tôt. Là, Drogo, lui, il est vraiment adepte de la forge ultra late. Il est au plus 1 à 7 minutes 43, très très late. Ouais, très très late. On a Warprism aussi quelque part sur un map, je sais pas trop où il est. Là. Je vais pas délirer. Ok, qui est en train d'essayer de trouver de l'espace. En même temps, Johnny Rico va essayer de deny un minimum la B4. La B4, maintenant Johnny Rico il a 72 drones. Oh, ça c'est une très très bonne fight pour le joueur anglais. Je crois qu'on a même pas la charge. Et Drogo va donner quasiment toute son armée. Oh là là, il était dehors sur la map. À un moment où il avait pas le droit en fait, tout simplement. Est-ce qu'il peut tenir? Bah non, il est mort. Hein. Deux archons, mais est-ce que c'est pas le moment où t'es décédé là? Ah, il va nous faire 4 Templars transformés en Archontes, il y a des immortels qui sont en train de DPS sévèrement, mais les deux Archontes décèdent avant même de pouvoir DPS, il n'y a que 4 Phoenix donc du coup il n'y a pas de DPS qui est généré, les pylônes sont même pas en range, le Mothership Core est tombé, et ça va faire un 0 pour Johnny Rico. Ouais, ça va faire un 0, un Drogo qui était juste en train de prendre B4 à un moment où il n'avait pas le droit de prendre B4 et qui s'est fait... mauvaise lecture de jeu hein. Attrapé, ouais. Ah c'est dur, c'est dur pour Drogo qui lâche le GG. Il est mené 1 à 0 et voilà dans un timing, tu vois, on est mentionné même pas particulièrement le positionnement de cette B4 et l'avancée de l'armée du joueur Zerg et puis en fait ça a terminé la game quoi. C'est ça puisque l'armée a un endroit où elle avait pas le droit d'être quoi. Tu peux tenter de poser la B4 mais tant que t'as pas la charge et une petite masse tu peux pas vraiment être actif et là tu dis oui je fais le malin avec mes Phoenix, avec mon Warprism si le Zerg traverse la map. Ok. Ça ne le fait pas, Johnny Rico qui s'impose un 0. Et là, vraiment, sur une game où il ne s'est rien passé de deux côtés, tu fais un petit timing et ça passe. On est en BO3. C'est également pas la fin du coup pour Drogo, même en cas d'échec ici, bien que ça serait assez gênant, je pense, d'échouer à ce stade-là du qualifier. Il y aura une deuxième chance demain. C'est ça. Alors, oui, deuxième chance demain, oui, excuse-moi. J'étais plutôt sur la dynamique de la problématique son en même temps. Et le câble de ce microphone me rend complètement malade, bien sûr. Drogo, donc, mené 1 à 0 par un joueur britannique qui n'a pas réinventé l'eau chaude, mais qui l'a fait plutôt proprement et cleanement.
C'est ça, ah. On a fait des unités quand il y avait. Au final, le timing des 9 adeptes a été très très bien géré. Les rôles qui sortent au bon moment, c'était bien fait pour Johnny Rico et qui derrière ben, décide de faire la range et la vitesse des Hydra. Donc c'est au moins pour agresser Dinaï de la B4, Drogo qui se fait attraper son armée au minimum. Mais c'est marrant. Tu dirais pas que justement il a été un peu oublié ce timing gros Tidra, aussi débile qu'il soit Stas l'a pas oublié en tout cas. Oui, bah oui. Mais. Vilain. Je dirais. C'est compliqué en fait les dynamiques. Botvinnik a battu Tefel 2-0. C'est très compliqué les dynamiques du PVZ. T'as l'impression en fait que selon. C'est vraiment sur des upgrades que l'avantage switch. Genre avant quand tu joues Charlotte, avant la charge, tu es ultra faible. Mais le moment où la charge se finit, ça change complètement. Et donc je pense que c'est très dur à lire en fait quand t'es en train de jouer. Parce que t'as pas l'info de dans 10 secondes la charge de mon adversaire se finit. C'est ça, ils sont pas appréciés à ce point-là encore pour le moment les joueurs. Donc, mais effectivement, c'est. Il y a clairement la place pour bourrer, hein, que ce soit T2 ou T1 pour le Zerg. En haut à droite, pour Mindsanity, le joueur français, déjà en ballotage défavorable puisqu'il est mené 1-0, il s'agit de Drogo. Et face à lui, pour la team Nuit Blanche, le Britannique Johnny Rico. C'est marrant quand même qu'il soit chez Nuit Blanche le mec. Mais vous lâchez des petits salaires en fait, vous êtes non, des, ça des dépend, malades mentaux. Enfin, il y a des petits salaires pour certains, mais Johnny, je pense pas qu'il... Vu qu'il revient juste en fait. Peut-être pas encore. Par contre, toutes les Dreamhack et tout sont payés, c'est... Enfin, pour la petite team, de toute façon, en fait, l'enjeu c'est de payer les déplacements, pas de... Gros, tu vas donner entre 25 et 50 boules par mois, c'est que dalle. Par contre, lâcher les 300 boules et organiser le trajet pour une Dreamhack, ça c'est beaucoup plus intéressant pour les joueurs. Intéressant. Du coup, tu donnes dans le polonais. Bon deal. Et dans le britannique, visiblement. Ouais, mais on a vraiment une spécialité polonaise depuis qu'on a eu Funky, le grand frère de Mana. Boss chez Twitch maintenant, qui a arrêté StarCraft. Ouais, je l'ai rencontré au WSS saison 3. On avait bouffé ensemble. Très marrant, très sympa. Puis surtout qu'en plus, c'est qu'au bout de 3 minutes dans la conversation, après qu'il s'est introduit et tout, et j'avais pas trop fait gaffe parce que j'attendais un prénom polonais et un machin, tu vois. Puis en fait, il me sort son nickname et tout, et puis en vrai, Funke quoi. Ouais. Funke, c'est le mec pour qui on me prend tout le temps, enfin on me prenait tout le temps à l'époque, tu vois. C'est Funke et tout, machin, Funke, enfin, genre si je m'appelais Funke, tu crois que j'aurais oublié de mettre le Y ou comment ça se passe. Et on s'était joué deux fois. D'ailleurs, pour la petite histoire, je l'avais 2-0. Et je sais plus pourquoi, on avait discuté du truc. Et je lui disais, putain, c'est enfin, je te joue et tout. Toi qui m'a fait passer mon pseudo pour une faute de frappe, quoi. Espèce de petit bâtard. Et après, on s'est rencontrés du coup en Pologne et on s'est rendu compte qu'on était l'un et l'autre, Funka et Funke. C'était marrant. On était juste à côté à la table. Très bon gars. Très bon. Danse le funk, du coup. C'est pour ça qu'il s'appelle Funke, en fait. Parce qu'il fait du hip-hop, du lock and pop, du machin. Ultra bon breakdance. Voilà. Alors, Stargate pour Drogo en face. On est parti sur 3 H avant la poule, j'ai envie de dire, au vu du timing. Pour la deuxième fois de suite. Et là, on se retrouve sur Crête de l'Erylac. Map que je trouve très très intéressante en PVZ, dans le sens où ça joue ultra agressif. De part et d'autre, ouais. Ouais, de part et d'autre. Et que Drogo, là, on se retrouve avec les positions assez sympathiques où tu peux prendre ta B3 en fait. Dans l'autre sens, si Drogo et Johnny Rico avaient les positions inversées, c'est vraiment chiant de prendre sa B3. Petit micro maintenant, est-ce qu'on arrive à prélever un drone? Toujours pas. Tuer quelques zergs, très très bonne utilisation de la shade comme d'habitude. Et bon dodge gauche-droite, on a perdu que du shield pour le moment et on a réussi à se relocaliser au niveau de la B3 et il y a désormais les oracles qui arrivent. Voilà, c'est le standard Drogo sur cette carte aussi, même si des fois il nous montre deux gates target avant de poser le Nexus. Ici dans cette partie il aurait été beaucoup plus rapide au moment de la pose de cette deuxième base, mais les oracles que je vois quand même, enfin en tout cas l'oracle que je vois peut-être à même de faire du dégât, c'est sans compter sur ce scout probablement de la part de Johnny Rico. Attention, le scout qui va quand même être tardif. Un peu late, ouais. Ok, tu scoutes au moment où ça sort et là faut réagir instantanément puisque même si tu poses les spores maintenant, elles seront light, elles sont pas à poser les spores, what the fuck. Il l'a pas vu. Ah si. Ok, c'est fait, une, deux. Ça aura pris un peu de temps. Et le problème c'est que là la moindre seconde compte, hein, puisque clairement, ça c'est bien fait par contre. Oh, non. Oh ah, si ça marche, putain j'ai cru que... Est-ce que tu... Queen contre Oracle, je pense qu'il va trade. Bah si tu trade en fait tu crées de l'espace pour ton deuxième Oracle qui arrive plus tard et Drogo ayant posé 3 gates. Ça en termes d'exec, typiquement hein, ça paraît peu mais c'est vraiment bien fait. Hein.
la queen, puis un drone, puis deux drones, puis la larve, puis la larve. Ça, c'est très très bien fait, tout en prenant B3. Par contre, cette B3, elle est peut-être un peu gourmande. Il n'y a pas d'adepte à côté. Le pylône n'est pas terminé. Le Mothership Core est hors de position. On va devoir cancel ce Nexus, je pense. C'est bien ce... J'aime bien aussi ce qu'il fait là. Du fait de rajouter des pylônes tout de suite maintenant. Voilà, il y en a au moins un qui sort, quoi. Là, t'overcharge et ça calme. Bon, tu te fais cancel Nexus. Très très bien fait de la part de Johnny Ray Cook. Là, c'est une bonne connaissance des timings du match-up. Hein. Les ergues qui partent juste au bon moment. Et le pylône, comme tu l'as dit, n'était pas infini. Deux oracles seulement. On va pas monter plus haut, pas de blague. Et alors là, est-ce qu'on verrait pas une forge? Justement, tu vois, dans ces positions-là, j'aimerais bien voir une forge plutôt. Je sais pas ce qu'il va, sur quoi il va teker après coup. Mais il a un peu de gaz quand même en stock, le Drogo. Il va produire, selon toute logique, des adeptes qui ne coûtent pas énormément cher en gaz. J'aimerais bien voir la forge à ce moment-là. Il va payer la robot dans un premier temps. Les deux oracles se sont regroupés ici, ils vont peut-être être à même de faire pas mal de dégâts. Seulement un drone, mais voilà, ça c'est la luck. Quoi qu'il n'y a plus que de l'énergie que dans un seul, et le deuxième oracle va mourir. Bonne défense hein, de Johnny Reco au final, il n'aura pas perdu tant de drones que ça alors qu'il s'était fait bien pris à dépourvu par les oracles. La forge qui arrive, ça va, c'est pas trop trop tard. Ça me plaît. Il n'y a pas de Stargate là ce coup-ci, je veux dire, le gaz il va finir par s'empiler un peu et le plus 1... Que ce soit pour les zélotes, mais même, enfin, tu vois, genre, moi j'aimerais bien voir un revival potentiel une fois de temps en temps, tu vois, de genre d'un double, d'une grosse pression Blink Stalker Sentry. Hein, moi, ça me manque un petit peu en fait, de plus le voir toutes les games. Maintenant, je me demande si je voudrais pas le voir un petit peu plus. Très bon set de Force Field ici de la part de Drogo, qui va se débarrasser de la quasi-totalité des Erglings sur le champ de bataille côté Johnny Reco. Et on n'y pense pas, mais une unité qui scale énormément bien sur la zone Braid, c'est l'Archon. Dû au fait que ça prend énormément de dégâts supplémentaires et ça splash. Ouais. Dès que t'as du splash, les upgrades, c'est génial. J'adore ce que fait Johnny Reco sur son caillou. Ouais, pré-caillou, pré-destruction du caillou. C'est ça. Ça force tout simplement Drogo à perdre les 3 secondes d'animation du caillou en fait qui se détruit. Si tu veux le casser pour bourrer. Drogo qui repart sur sa charge, le plus 1 qui a été lancé, la deuxième repos qui arrive. Et voilà, faut bien dépenser du gaz. T'as mentionné les upgrades, un autre moyen, c'est aussi l'archive des Templiers. C'est ça, c'est ce qui va être fait, associé à l'ajout de 3 gates supplémentaires pour monter sur un total de 7. Ouais, c'est ça, 7 gates. La troisième base est sécurisée, il y aura aussi des probes sur les assimilateurs, donc on aura un income de gaz complètement legit. La Templar Archive, le chrono boost le plus lent de l'histoire de l'humanité sur la forge, et ça me paraît, c'est tellement lent le chrono boost maintenant. C'est un truc de ouf. Ouais, ça m'hallucine à chaque fois. Presque gadget. Enfin. Ce qui est bien, c'est que tu peux plus l'oublier, donc. Ouais. Mais ça a été. Enfin, je trouve que c'est la mécanique qui s'est fait le plus nerfer. C'est ça. Pire que la larve qui est passée de 4 à 3. Ouais. Et surtout, c'est une mécanique qui empêche en fait les top joueurs de faire la différence. C'est ça. C'est pour ça que moi, j'étais pas satisfait des mouvements du Chrono Boost en fait. Moi, j'étais pas contre de dire tu le rends un tout petit poil main fort, mais tu gardes, quoi, mais quand même pas aussi édulcoré que le Chrono Boost de maintenant, quoi. Et voilà, quoi. Ouais, bah. Et tu laisses le potentiel mécanique du truc, quoi. Parce que la larve, toujours mécanique, la mule, toujours mécanique, quoi. Ça, et enfin, t'as plus d'écart entre sous et un top master au niveau des larves, au niveau du chrono boost, en vrai, un certain... Enfin, le niveau où t'arrêtes de faire des erreurs sur ton chrono boost, ça arrive. Arrive assez vite, ouais. Alors, Johnny Reco, je dois avouer qu'il me hype plutôt. Parce qu'il refait son Banning Nest, et surtout, il fait double upgrade d'attaque. Ça veut pas dire qu'il va pas mourir dans quelques instants. Mais... On vient de faire la range plus la mêlée, des Benling. Et les Benling, si tu fais la speed, que t'as quelques upgrades dans les Charlotte, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Rothschild Rabbein. Franchement, pour quelqu'un qui a quand même abusé de la pire strat du jeu pendant un an, ça fait plaisir de voir aussi une capacité d'innovation chez ce genre de joueur. Et je suis vraiment hype par ce style. Puis il y a une B4 qui est sécurisée, il y a 67 drones également pour Johnny Reco, donc un compte tout à fait correct pour le joueur Zéa qui en plus en rajoute 5-6 de plus pour commencer à miner cette quatrième base. Et le timing de Petit Drogo, on a l'impression qu'il est lu et qu'il est ultra attendu. Est-ce que les Banes vont faire la différence en fait, hein? Est-ce que ça marche? Là, c'est presque une compo en fait où tu vas crush l'armée du Protoss, tu gagnes la game tout de suite sur une arme comme les Relac. Va falloir quand même attendre d'avoir la speed sur les Banes, sinon ça va être un peu compliqué. Banes qui ont été pas du tout vus, qui sont cachés. Il y a 3 force fields, enfin il y a 3 sentries avec. Mais de toute façon, les force fields, tu peux pas en faire. T'as ma zélote. Ouais, enfin, en vrai, quand il y a les bannings qui arrivent, tu fais un tout petit goulot d'étranglement et voilà. C'est ça, mais c'est vraiment pas la réponse optimale. On pose B4 chez Drogo, on pose
La fausse infestation chez Reiko qui va finir sa Speedbane. La hype. Ok, la Speedbane est terminée. En tout cas, elle le sera dans quelques instants. L'armée de Drogo qui est passée au nord. Beaucoup de Zélotes, beaucoup d'Imo. Yeah. Contre-attaque de Zergling. On warp des Zélotes en panique. Et la fight qui va être prise. Non, la concave qui est là. Oh mon dieu, les Banelings qui ont atomisé tous les Zélotes. Et regarde, du coup, t'arrives directement au contact des unités de Jussi. Le problème, c'est que double tu t'es paqué. Donc, les Archons font mal. On cale derrière le Time Warp. Flank de Banelings dans des Immortels. Pourquoi pas avec les nouveaux Immortels? C'est toujours mieux que s'ils sont massacrés par le Mother Shipcore. J'ai quand même l'impression que. Il y a un peu trop d'unités qui font mal là chez Drogo. Bah, immortel Archon quoi. Alors, prendre concave en bas de la rampe, c'est pas mal fait. Faut arriver à dégraisser la plupart des Archons des immortels. Ici, le runbike est absolument que dalle. Bon. Et là, t'as le Mothership Core le plus rentable de l'histoire de l'humanité en termes de ressources tuées. Au final, il sera fait kiter. Enfin, il aura détruit tous les Archons quoi. En fait, mine de rien, le kiting est ultra intelligent. S'il le fait pas. Il se passe la même fight. Il est en shift à clic. Il est en shift à clic sur les Banes. Par contre, il va le perdre. Ouais, mais. En fait, sans kiting, Drogo minimum kick le B4. Ouais, tu perds tous tes archons, t'as toujours tes immortels. Mm. Tu fais un clic droit sur un B4, elle disparaît. Donc, après, c'est. Ouais. C'est bien, mais. Il a pas de Mothership Core, il a pas de War Prism, ça vraiment, ça m'étonne. Il fait ses rallyes depuis ici, en fait. Après, ça arrive tellement vite. C'est pas bien, très, mais après, loin, je me demande si t'as pas envie de balancer aussi des Banelings dans les Immortels. Tellement ils sont stackés. Bah, il a, son split est meilleur hein, quand même, côté Drogo. Il a changé un petit peu sa manière de faire. Il y a moins de Zélotes aussi, tout simplement. Du coup, Reiko qui prend la fight en frontal. Attention, là, il n'y a plus rien devant les Immortels et les Archons. Il reste toujours une bonne pop de Rochidra. Okay. Des Banelings qui font des détonations correctes, j'ai l'impression. La hype de cette armée, les Immoraux, est-ce que ça va faire la différence? Il y a tellement d'Hydralisques. L'Archon du Sud qui tombe, la bonne micro, le bon. Comment on dit kiting. Le bon kiting, mais surtout le. Attends. Le moonwalk de Drogo, pardon, ici. S'il donne les immortels, c'est catastrophique. Faut qu'il arrête de kiter, là, faut les sauver, là. 115 de pop à 100. Johnny Reiko qui a beaucoup donné sur cette fight, quand même. Et qui vient. Et qui s'est fait run by Zelot pendant ce temps-là, et je suis désolé, je l'avais pas vu. Oh là là, 22. Ouais, tous les workers de la B4 qui sont passés, en fait. Parce qu'on a perdu quoi? Peut-être 5-6 drones depuis le début de la game avec les oracles avant ça. C'est ça, et là, je dirais 16 drones qui sont tombés ici, quoi. C'est dommage parce que l'opération était très très bonne, on a vu les pop chuter, mais Johnny Reiko a pris quasiment tous les immortels, tous les archons, toutes les unités qui ont une vraie valeur ajoutée chez Drogo. Le problème c'est qu'il se fait sanctionner sa B4 et que du coup ça rééquilibre sacrément la chose. Et au moment où t'as une armée qui se fait sacrément sanctionner par des Banelings, on en a plus. Parce que là pour le coup, ce genre de pop... Ça, c'est... En tout cas cette partie là s'évapore contre 10 Banelings quoi. C'est ça. Et ensuite t'as 4 archons et un immortel, t'as juste à avoir des roaches. Overseer qui va s'en sortir, qu'est-ce qu'il nous fait? Run by de Zelot dans la B4, ouais, sauf qu'il y a le caillou, donc ça ne va pas fonctionner. Le plus 3 d'attaque, mine de rien, les upgrades qui n'ont pas été perdus, il y a le T3 qui s'est terminé côté Johnny Reiko. Alors on n'a pas d'autre tech au-delà de ce plus 3 d'attaque. J'ai presque envie de voir de la Viper en fait. Bah ouais, Viper ce serait très bien contre Rochidra, c'est parfait, complémenté à Viper, tu poules les Archons et les Imo. C'est ça, et tu gardes toujours tes Banelings, et franchement je dirais même qu'avec les Viper ça fait plus de sens en fait. Dans le sens où... Tu peux rester là où tu es puisqu'il n'y a plus de zélotes. Normalement, tu es obligé de kiter puisque tu peux pas te permettre d'encaisser le dégât des zélotes. Mais s'ils disparaissent tout dans de l'acide, t'es bien. Et ensuite, tu ramènes un par un les archons et les immortels. Ils se font one shot à chaque fois. Bah, tiens, une Viper, deux Viper qui sont rajoutés. Ça me plaît et je trouve que Johnny Reiko est bien dans cette game. Hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors. Plus 2 d'attaque, seulement la charge, pas de blink, pas de DT, pas de transition vers le plus gros late game. On est vraiment sur le staple du PVZ et l'OTV côté Protoss. Zélote, Archon, Immortel. Et j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ce timing va expirer. Ici, les Zélotes, faut les utiliser. Les Zélotes qui ont été positionnés au sud. Ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Bane. Il y a un. Il s'est fait one shot à Roach. Ouais, il y a un Kalfar qui a pris. Le pauvre. T'imagines s'il avait fait ça avec les Bane? C'est dommage pour Johnny Reiko, pour Drogo en fait, ce qui lui manque quasiment au final, c'est un War Prism. Mais ouais, comment ça se fait qu'il n'y a pas de prisme là? Parce que là, les run-by qui passent un millénaire sur le creep. Par contre, là, il va kicker la base quand même. Ouais, il va kicker la base. Est-ce que c'est pas ce qui force Johnny Reiko à prendre la fight, armée contre armée? Attention, oh, il va rentrer, on recall. Ok, joli. Bien fait. On a snipé la base. J'ai l'impression qu'il a donné beaucoup de zélotes quand même dans cette affaire. Les Vipers ont pas eu. C'était pas chargé en énergie. Et d'ailleurs, ça serait une bonne idée de garder deux Templars. Ouais. Ah, il va faire un Archon. Puisqu'il les a vus avec ses Zélotes. Ils sont ces Templars, ils sont là-haut, mais on va faire un Archon supplémentaire.
sur des bons. 9 Archons, 9 Archons, 6 Immoraux et 14 Zélotes. Je pense que ça se croche si t'as des. Et surtout, Rotidra 3 d'attaque, mec. Le DPS il va commencer à être énorme là. Il n'y a pas d'armure. Même les Benling, hein. Plus 2 d'attaque, les Benling, ça fait combien là sur une unité non légère? Parce qu'en fait. 24, ça, hein. Ça fait quand même 24. Tu balances 10 Benling au milieu comme un bourrin dans les Immortels. Et les Archons ont tendance à tuer les Benling avant, mais sur les Immortels, ils arrivent tout seuls. C'est coûteux ça. Johnny Echo qui vient. C'est coûteux. Par contre, il se fait un peu banane au niveau du positionnement, ouais. Les Archons qui sont là. Les Archons, est-ce que tu balances les Benling dedans? Eh ben, il va y aller, il est obligé de le faire. Alors, c'est pas forcément le trade le plus par positif contre, les de la Terre. C'est énorme. Il y a quasiment rien qui tire pour Drogo. Et non. Ça va passer. Non, désormais, tout arrive au contact. Et là, c'est Archon. Attention! Attention les Archons et les Immortels, ça tape trop fort. Ils ont plus de vie quand même les Archons. Ok, on recule. Attention! Ça fait 65! Ouais. C'est marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'unités dans cette compo, mais alors par contre quand ça tape, mec... En fait t'as 45 de pop armée avec 5 unités. C'est ouf quoi. Alors après le Rothschildra plus 3 d'attaque? Bah ouais, là les Immos se font découper. Bien joli recall encore une fois. Johnny recall. Je pense qu'il y a une petite erreur de Johnny Rico, mais avec le DPS des Hydra, t'as peut-être le temps de clic droit le Mother Shield Core avec 5 Hydra durant la durée du Rico. Y'a moyen, ouais. Parce que. Oh là là, le DPS de ce machin. Ouais. Bon, clairement, les Benling en late game, tu peux. Tu peux oublier. En run by, en drop quoi, mais pas en. Ouais, run by, ouais, drop. Moi j'ai toujours une. Même run by avec le speed, hein. Pourquoi pas. Hein. Tu vois, là, ne serait-ce que dans cette position-là, s'il a la conscience du truc, un shift-click bien exécuté, ça coûte pas grand-chose. Hein. Puis même, en fait, du coup, quand tu fais ton run by Zergling, t'ajoutes 3 Benling et tous les Zélotes qui sont là pour défendre, ils explosent. Souvent, tu vois une défense avec genre 3 canons et 5 Zélotes, ben si t'élimines les 5 Zélotes, derrière, tes 20 Zergling font potentiellement le travail. Mais c'est vrai que là, Drogo se retrouve quand même avec une très très belle armée. Ah, il est en train de prendre B5, il a pas donné ses Archons sur ce coup-ci. On aura perdu un paquet quand même des Archons et des Immortels. 20 Archons et 13 Immortels. Truc de ouf. 108 Roach de l'autre côté, 32 Bane, 27. 32 Bane qui n'ont pas détonné du coup sur la cible. Hein. Ouais, qui ont été tués avant. Ça fait mal. 3 Vipers, 4 Vipers supplémentaires. Ah, il a perdu ses Vipers dans la fight précédente, j'avais pas fait gaffe. Ça, c'est une erreur. Parce qu'en vrai, une fois que les spells sont utilisés, normalement tes unités sont dans un groupe séparé et tu les envoies se perdre là. Hein. Mais d'ailleurs, quand tu joues contre cette compo, est-ce que tes Vipers, tu vas pas les utiliser que pour Abduct et KT? Ouais. Ah ouais, Blinding Cloud, moi j'y crois pas là. Hein. Ouais, puisque là on l'a vu, il a fait Blinding Cloud, les Archons. Ils étaient bons en plus, les Blinding Cloud, ça a pas changé grand chose, la map est trop ouverte en fait. Puis naturellement, les Archons ont besoin d'aller au contact. Le Blinding Cloud, c'est fort quand tu le fais sur une unité qui veut rester à distance et qui a comme mouvement de base de venir au contact, puisque c'est le mouvement naturel d'une unité sous un Blinding Cloud. C'est ça. L'Archon, dans tous les cas, il veut venir te faire des câlins. C'est une unité de mêlée. Ça change pas son comportement, quoi. Ça l'arrange, mais au fond, c'est une unité de mêlée. Je veux dire, c'est comme dire que le Headbat, c'est une unité de range, quoi. Enfin... Moi, mon Headbat, il est au contact, je suis très content. Tempête Psionique, terminé. Il y a 5 Templars, 4 Archons, 4 Immoraux, 17 Zélotes. En face, il n'y a rien. En face, il n'y a pas grand-chose. Il y a 26 Roach, 6 Hydra, 9 Bane. Il y a les 4 Vipers. Il faut qu'ils soient actifs sur la map avec le creep qu'il a. Genre, dès que ça rentre sur le creep, il doit y avoir des poules qui doivent arriver. Ça, il va falloir commencer par... S'il grappe tous les Archons, c'est faisable ensuite. Puisque le DPS est énorme et que là, les Immortels tankent bien, vont pas ultra tanker le DPS. Par contre, si les Archons arrivent à poser leur DPS, c'est la fin. Il y a 4 Archons. Les Templars, certes, ont de l'énergie pour des Storms, mais aussi pour des feedbacks. Ouais. C'est vu. Le recall, le Mothership Core qui est là, est-ce qu'il choisit de le faire attends, en premier lieu la Storm qui va faire ses Templars. Non, 5 Templars seulement sur les Banings de son adversaire. Ça c'est une grosse perte hein, quand même hein, pour le pauvre Drogo sur ce coup là qui va tenter une fois de plus de virer cette base au sud-ouest. Il va pas y arriver puisqu'il vient de perdre tous ses HT et tous ses Zélotes en même temps. Hein, les 5-6 Zélotes qu'il y avait dans son armée ont péri sous le coup des Benling et du coup est-ce qu'on prend cette phase 20 PB. Coup près. Ah c'est bon, il a B5. Ça met Johnny Rico toujours dans la game grâce à cette B5. Oui, des deux côtés la B5 fait la différence. Putain, j'ai encore décalé l'écran. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce contrôle bizarre, le haut? À chaque fois ça fuck alors, up l'axe en fait. Bon, ça c'est le bâtiment, je me demande toujours s'il a vraiment un rôle contre la compo qu'il joue en fait. C'est genre la meilleure compo possible contre Ultra. Ouais.
tu fais que des unités qui ont énormément de dommages, ou de quoi découper le reste. On fait le blink finalement, chez Drogo, plus un d'armure. Moi j'aime bien l'ajout de ce blink en late game. Surtout sur cette map, il y a énormément d'abus avec 3 stalkers ici. Et cette game qui va continuer de durer, Drogo avec son oracle qui voit passer un run by Roach qui arrivera sur la base au sud-est, il n'y a que 2 canons et un pylône, il n'y a pas le Mothership Core dans le secteur, il va devoir aller défendre. Par contre, ouais, c'est dommage de ne pas faire le cracking, mais après il a vraiment pas de thune. L'Axe qui restera fucked up jusqu'à la fin de la game, je suis désolé les gars, c'est le contrôle le plus bizarre de l'histoire de l'humanité, hein. Contrôle O, et je peux pas revenir dessus. Hein. Ok, les deux joueurs qui sont quasiment max à nouveau, Johnny Rico qui est max sur 37 drones, ce qui j'ai envie de dire est presque ok, il vient de perdre sa, on n'a pas vu ça, il vient de perdre sa B5 par contre. Mais bon, c'est inévitable. Ouais, il y avait 20 PV dessus. Hein. Et il a pas les queens potentielles. Oh, les ultras qui vont arriver à 0-0. Enfin, 2-0. Alors ils vont faire mal par contre, ils vont moins. Même les zélotes vont faire ultra mal. Ouh là là, attention. Par où est-ce qu'on passe côté Là il y a Johnny Rico, il lui manque juste la vision, mais c'est l'endroit le plus dangereux quand il y a des Vipers. C'est ça, exactement. Et les Vipers qui sont pas utilisés, on va run by Zélote une fois de plus. C'est vraiment la standard Drogo sur cette carte. Et à nouveau, run by de Zergling, tu l'as dit, il n'y a pas le crackling, c'est vraiment bien dommage. Là, deux canons et le Mothership, ce coup-ci ça devrait être géré. Le bon wall position, Drogo qui est pas dessus pour le moment, mais qui va kicker la base au nord. Bon, pas ultra important la base au nord, il y avait juste des gaz. Ok, voilà. Devant haut, par contre, il est... Attaque move. Ouais, du coup tous les bannings qui ont été donnés. Feedback. Ça semble bon pour Drogo quand même. 113 d'armée, une armée qui fait peur. Énorme storm à nouveau. Il reste encore 2 storms. Ouais. La dernière était pas terrible. Et pendant ce temps là c'est les zélotes qui prennent. Mais voilà. Tu poses le blinding cloud du désespoir et là les archons vont rentrer au contact. Ah mon dieu. Link offensif. Ah mon dieu. Et Drogo qui va équilibrer cette rencontre. Un partout. On a de la game épique quand même aujourd'hui. Hein. Les mecs qui n'arrivent pas à terminer. Drogo dans les cordes. Et un Drogo qui finalement va à la Todd avec des run by de Zélote, parti de ses propres bases en shift-click, pas bien, à s'imposer. Il le fallait pour ne pas subir. Il y a Uthermal qui est dans un salon aussi. Contre un peu prématuré, il en est où Uthermal? Il est en train de jouer Prime Lot. Minimat a battu Lambo 2-0. Ok. Minimat est à 2 matchs de se qualifier pour la journée de samedi. Effectivement, faudra battre le thermal pour. Alors, tu nous dis quand on est in game. Mais Daichi qui bat Happy 2-0. Bon, écoutez, je suis désolé, hein, mais Corée deuxième nation sur Starcraft Terran, France, hein? Voilà, c'est ça le pays que je cherchais. Bah, première. France deuxième nation sur Starcraft. Hein. Première. Mais bon. La France est championne du monde. Moulou qui joue contre Zugé, Minimat qui a battu Lembo et on va join la game. Mais rapido. Là, ce qui est hype, c'est que c'est les mecs. Enfin. C'est les mecs qu'on n'attend pas, quoi. Mais le niveau est tellement en train de monter sur. J'avoue, Minimat qui 2-0 Lembo. Après avoir 2-0 et demi, du coup. 4-0 2ZVZ contre des adversaires. Ben. Et demi de son niveau. Lembo plus fort que lui. Enfin, Lembo en ce moment, je pense, est un peu meilleur que Minimat. Bah, en tout cas, pour moi, il. Il a cette publicité-là, en tout cas. Genre du joueur qui pourrait tout péter sur LOTV. Cake for you rejoint la route tout poutre, bien sûr. Ah, je crois que c'est un nouveau sub, en plus. Ça me dit absolument rien. Non, pas du tout. 13 mois. Mais j'ai vu, du coup, 2446, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose d'autre. On demande à Chips de fermer sa gueule. C'est ça. Et pour le coup, Chips doit faire quoi? Le Challenger France, enfin. De quoi on parle? Ils ont pas les casseurs League of Legends qui sont pas aussi contents que nous de casser des joueurs français. C'est ça. Des teams françaises. Bon, quoi que, il y a quelques français qui traînent. Non, il y a des bons joueurs. C'est plus au niveau des teams françaises que ça. Bah, il y a Vitality maintenant. Ouais, mais Vitality, c'est français, non? Non, c'est pas français du coup. Après, Tachones est en coach. C'est français. Mmh. Ah, okay. Alors, ferme bien. Ah, Johnny Rico, attends, qui est aléatoire. Ok, est-ce que c'est une stratégie? Bah, si les airs, on peut y aller, sinon c'est chaud quoi. Johnny Rico qui est en aléatoire. Comment il a fait d'ailleurs? PVP. Petit Drogo s'en était rendu compte, donc du coup il a quitté l'événement. Et là t'as des joueurs qui sont prêts à prendre la défouille. Wallace. Mais non. En parlant de joueurs, le bon Yogo il caste un peu ou il est toujours pas éliminé? Oui, il est éliminé Yogo, c'est sûr, non?
Yogo est tombé sur un Protoss. La partie créée, on revient, puisque voilà, le pauvre Johnny Reiko qui avait choisi aléatoire. Comment il a fait? Bah, je sais pas. Parce qu'en fait, ça te remet sur ta dernière race, normalement. Ouais, mais des fois, ça fait un truc bizarre. Comme de la même manière, normalement, ça doit te remettre de la même couleur que t'étais au truc précédent, mais des fois, ça bug. Okay. C'est chelou. Il y a une espèce d'inconsistance qui rend le truc un peu compliqué à gérer et qui fait ses petits riosts des fois. Donc voilà, Drogo contre Reiko, c'est maintenant. Et la régie nous dit... Yogo est complètement sur le chat et Yogo a non complètement pas du tout l'envie de venir aider deux pauvres commentateurs tout seul. Je comprends. Big up à toi, Yogo. Yogo qui est vraiment très très loin des locaux de gaming, c'est pour ça qu'il est... fait 1h40 de transport tous les jours, bien sûr. Ouais, il habite près. Mais il habite à côté, il vient en trottinette. Ah oui, c'est vrai. Il est encore plus proche que moi. Salaud! En bas à gauche, sur ruine de CRAC, on va essayer de gueuler un peu plus fort parce que putain de chips, il a vraiment une voix qui porte. Il s'agit de Drogo. Y'a quoi maintenant, League of Legends? À l'émotion, mon cul. Y'a que le talent qui compte, bien sûr, du talent ce joueur. On a quand même une dose non négligeable, il s'agit de Johnny Reiko. Alors, un petit gateway. Et Ponfétude, ils veulent commenter une game, Ponfétude, hein? Bande de nazes, ouais. Ponfétude, Ponf qui rentrera dans la danse. C'est ça. Et Tude qui dit aussi, incroyable. Bon, ça va devenir un cast 4 étoiles ce soir. Il y en avait que 2, maintenant il y en a 4. Ce qui est dommage, c'est qu'on a perdu l'occasion de leur filer une game épique avec deux joueurs. Ah ouais, incroyable. Ah, on a eu une très très bonne game tout à l'heure. Zugeliang, il est pas loin de jouer et il va sûrement jouer contre Mini Derpo, non? Non, Zugeliang, il va rencontrer Uthermal. C'est, normalement, c'est le moment où Zugeliang, après 4 heures à méditer en face du mur, se le mange dans la gueule. C'est ça. Grosse méditation venant de Zugeliang, bien sûr. Ah voilà, il va jouer Moulou. Eh, Moulou Zugeliang, mec. Non mais en vrai, là, il n'y a que des matchs au profil de stylé, quoi. Il y a Deshi qui avance, qui est très très haut, qui vient de 2-0. Il y a Minimat qui a deux matchs de la qualification. Minimat qui a battu 2-0 Lambo aussi. Enfin bref, on sait pas trop ce qui se passe, mais il y a du français partout dans tous les cas. Du coup, je pense qu'on va demander à ce que les underdogs soient un qualifier régional pour les WSS. Pour la GSL, oui. Mmh, ouais, pour la GSL. Pour le CODES, directement. La GSL CODES. Non mais ou alors on prend tous les champions d'underdogs de l'année et on les salarie, on leur fait faire une équipe et c'est la 8ème équipe de la Pro League. Non, bah, je sais pas, on peut rêver grand, hein, j'en sais rien moi. Oh, on y croit. T'as pas besoin de leur donner un salaire techniquement pour aller faire jouer en Pro League. Y'a juste besoin de payer les droits. Hein. C'est ça. Alors. Johnny Reiko qui a pris 3 bases très rapidement. Et pour le coup, ça m'étonne pas trop sur le joueur qui est quand même bien. Quel que soit le style de jeu, ça reste bien macro Stargate à nouveau pour Drogo avec, j'ai l'impression, exactement la même opening que sur la seconde partie. Opening qu'il ne faisait absolument pas précédemment. Drogo, c'était toujours de gate avec ou sans le Nexus, mais toujours de gate. Donc là, on varie un petit peu. Je crois qu'il a perdu la foi dans son build défensif double Stargate. Enfin, tu me diras, c'est peut-être pas la meilleure map non plus. Hein. Ah. Son build macro, parce que la game macro qu'il joue, il sort, il essaie de prendre B4, il se fait à clic. Enfin, on dirait mes TVZ, quoi. Genre, mes TVZ de HOTS quoi, j'essayais de prendre B4 et puis je me faisais atomiser, tu sais. Ah mais d'où l'erreur? Enfin, ça dépend. L'erreur était de rechercher le Steam, pour être précis. Sur HOTS? Oui, c'était un peu ça, effectivement. Alors, l'adept là, est-ce qu'on va vraiment le laisser venir? Oh my god. Ça c'est une erreur de décision, alors si on prend 2 drones, je dirais que c'est payé. Mais on n'en prendra pas 2. Donc du coup, erreur. Et on a cancel le triple... Pourquoi il a cancel triple sport? Non mais en fait il a fait 2 sports sur 2 drones endommagés. Ah oui putain, je suis débile. Mais je vais dire c'est la meilleure anticipation de tous les temps, simplement payer 3 sports blind quand t'as 24 drones c'est un peu compliqué quand même. Voilà, et donc du coup il y a l'oracle qui va arriver, alors on aura 5 queens selon toute logique. Et est-ce qu'on va pas avoir besoin de cet oracle défensivement parce qu'on est complètement à poil là chez Drogo. Hein. Mais j'aime bien ce qu'il a fait en fait, il a accéléré sa base. Ouais. Ça, il va être contraint de défendre son oracle mais si tu regardes par rapport au timing de speed, ah oui carrément. Se finit avant et... Je dirais presque tuer tous les Zerglings, c'est pas mal. C'est pas ouf. 9 Zerglings. Et on n'aura pas le dernier. Mais 8 Zerglings. Ça veut dire que là, Johnny Reiko ne peut plus mettre de pression sur la map. Il va être obligé de refaire des unités à un moment. Il paye les 3 sports.
Et vu que tu fais deux oracles, t'as toujours ce timing en fait où avec deux oracles tu vas gratter des péons malgré les sports. Moi je me rappelle à la DreamHack, c'était la variante triple oracle pour avoir la révélation aussi contre Bly. La meilleure game avec des oracles pour moi c'est Nice contre Targa. Unai se fait all-in et alors qu'il a double proxy Stargate oracle de l'autre côté de la table. Ah oui, je m'en rappelle. Déjà, le all-in est tellement moisi que le mec qui a dépensé 1000 ses oracles le tient. Et ensuite, t'as 6 oracles qui arrivent dans la gueule d'un Targa qui a rien vu venir. Targa qui adore ce genre de strat en plus. Ah oui, c'est tout ce qu'il aime. Hein. D'ailleurs, Targa, c'est la retraite un peu là. Hein. C'est ça. Dernier barreau d'honneur qui s'est conclu par une élimination face à la Chine. Durant Nation Wars. Ouais. Par la tête de faire all kill pour être précis. Ok. Ça, c'est un oracle qui est quand même pris cher pour rien. Alors, j'aime beaucoup ce que font les joueurs en mettre tous les robots en bas, en fait, dans la B3. L'idée étant que tu mets une fois pour toutes un adepte dans le wall. Et puis ça bouge jamais. Et ça bouge jamais. Et du coup, tu ne te fais jamais run by, même si tu joues face à life. Ou alors si tu fais un F2 des familles. T'as pas le droit sur l'agression. Bon, ça, c'est deux oracles qui repartent bredouille, hein. Font sacrément rien quand même. D'ailleurs, ils sont obligés de poser un Void Ray. Un Void Ray. Qui va les kick quelques over, je pense. Il y a une Macro Hatch, c'est ça, pour Johnny Reiko. Très très rapide. Une seule upgrade à distance. Qu'est-ce qu'on fait pour Johnny Reiko? Ce sont d'excellentes positions, notamment avec son creep, pour refaire sa stratégie de la première game, tout simplement. Ou Rochidra en timing. Bah ouais. Position horizontale, position rapprochée sur Ruine de Serras. Avec un creep spread qui commence à avoir de la gueule. Composition qui a quand même largement besoin justement du développement de ce creep spread. Donc les voyants sont plutôt au vert pour le bon Johnny Reiko. Et il y a quelque chose sur lequel il est resté précis, c'est quand même économiquement. Là on a 65 drones, il en fait 68, il va poser un ou deux bâtiments. Johnny Reiko il a toujours été très très trop. Voilà, 67 drones c'est la quasi-perfection hein, sur... Sur LOTV. Sur LOTV. Bon, sur StarCraft 2. Est-ce qu'on. Est-ce, oui, oui. Pourquoi j'ai dit LOTV? Est-ce qu'on voit. Je trouve qu'il a. Bon, ceci étant, est-ce que le terrier. La tanière d'Hydra est pas un peu late là? Ouais, ça a l'air un peu tardif. Parce il était arrivé largement avant la charge. Bah ouais, c'est ça que je me dis. Donc j'ai en train. Alors que là, en plus, on a pris B3 plus tôt côté Drogo. Donc je suis étonné de voir ça parce que pour moi, Zealot Charge Archon, ça devrait peut-être mourir sur un timing trop rapide, Rotidra. Tu vois, là c'est le genre de truc où je me dis, typiquement tu sais que ça arrive, peut-être que tu payes ton disrupteur, tu vois. Ouais, peut-être, mais du coup on a quand même payé le T2 très très tard, et on repart sur les double upgrades avec la mêlée et les bending. Et sur une seule Evo, hein. On alterne. C'est pas la game qui lui a... c'est pas la composition qui lui a perdu la game, à la game précédente. Je pense qu'il y avait moyen de me faire avec les unités qu'il a fait, mais les bending étaient... ok. Je pense que le mieux c'est de les utiliser comme il l'a fait la première fois, tu surprends, tu rases les zélotes. Et ensuite tu utilises des run-by de Zergling. Parce que pour le coup les Zergling améliorés en run-by, c'est quand même vachement plus efficace que quand ils sont 0-0 toute la partie. C'est un peu de la triche même, d'aucuns diraient. Alors on va transférer quelques drones supplémentaires, les oracles qui galèrent à trouver du dégât. Hein. Il y a eu un tag qui a été fait sur cette base, puis un drone prélevé sur la B4, et c'est à peu près tout, parce qu'il est en place, Johnny Reiko, il avait ses deux queens voilà, qui sont en train de se balader au sud, au nord, et... Ok. Quelqu'un qui a applaudi. Alors, tout seul, je ne sais pas pourquoi. Faut des faire immoros. Attention de stase quand même. Hein. Ouais, celle-là elle peut faire mal. Hein. D'ailleurs sur cette carte, est-ce qu'on n'a pas vu la plus belle stase de l'histoire de l'humanité? Quoi? Parce que sur cette map, est-ce qu'on n'avait pas vu les plus belles stases de l'histoire de l'humanité? En plus, la stase la plus improbable où les unités vont se poser dessus. C'est ça. Ok, Drogo qui sort. On est très très loin de la speedbane, maintenant je suis pas convaincu que t'aies besoin de la speedbane. Je pense qu'il y a juste besoin de planquer les bending. Et tu fais un espèce de Moïse avec ton armée une fois que les zélotes ont balancé la charge. Tu écartes les os. Tu écartes les os, tu laisses passer les... les bane. L'acide roulant. Supply block le petit Drogo là ici et sur ce coup là et epic supply block d'ailleurs. C'est bon. Allez Drogo. Et j'aime bien ce que fait Johnny Reiko, je pense que c'est une bonne compo en fait pour ne pas jouer leur cœur et transi sur un T3 assez rapide. T3 ultra du coup. Ouais, c'est bah t'auras des bons ultras quoi. T'auras des ultras avec de bonnes upgrades, c'est certain, mais est-ce que là, on verrait pas Inspire aussi là? Le problème, c'est que c'est vachement coûteux en gaz, donc ça doit lui faire mal de poser Inspire maintenant, mais limite Broodlord serait très bien aussi. Hein. J'allais dire. Broodlord assisté par Rochidra.
C'est presque le mieux qu'on a vu en début de late game. Pas en ultra late game quand le proto s'est accédé à toute cette technologie Stargate. Drogo, mais sur la première phase du late game, ça le fait mieux. Drogo qui attend, du coup ça storm tranquillement. Et là par contre de la douche, il va y en avoir. Mais T3 instant pour Echo. Vous pouvez entendre voilà, la présence de Ponf. On a quand même beaucoup de Zélotes qui, honnêtement... Qui vont se faire atomiser. Bah c'est 44 de pop qui n'existe quasiment... Enfin, qui n'existe pas dans la partie quoi. Run by Bending, qu'est-ce qui se passe? Ou alors il fait la plus grande concave de l'histoire de l'humanité sur toute la map. Il prépare une concave sur 3 km, les Bending ont complètement été vus en haut. Allez, et la fight qui va être prise, très bon tag ici de la part de cet oracle, la révélation qui est prise. Et là il a vu les Bane, les Time Warp en défensive qui sont vraiment pas une idée des débiles. Allez. Mothership qui tombe. Et on va désengager côté Zerg, on est off creep et c'est normal. Les Zélotes qui vont commencer à charger les uns à la suite des autres. Attention quand même, hein, grosse composition quand même côté Zerg et la Spire dont je vous parlais tout à l'heure avec le T3. Elle est là, donc on transitionnera pour Broodlord plutôt qu'Ultralisk pour ce coup-là. Allez. Mais pour le coup, les Broodlord qui profitent également des upgrades de mêlée, on a sécurisé la BK, double canon, quelques pylônes. Bref. Attention quand même. La Reko est en danger de perdre la partie puisqu'il y a moyen qu'il se fasse atomiser en fait dans la fight qui va être pris. La concave qui est posée. Il n'y a pas tant d'arcon que ça, mais il y a tellement de douches. Il y a tellement de storms. Il va falloir la payer très bientôt. Maintenant, la première storm sur les bays. Il y en a quelques-uns qui vont connecter encore une fois. C'est les Templars qui sautent. Incroyable. Il faut faire pleuvoir encore une fois les storms. Mais il prend tellement. À chaque fois, il ne se débarrasse pas des fucking bays et il perd toutes ses storms sur 4 Baneling. Il n'a pas le droit de faire ça. Il faut juste qu'il laisse un fucking Archon en position. L'Archon il va one shot tous les Bendings. Ça fait 35 de dégâts un Archon de base. Ça one shot les Bendings ce machin. Tricheur. Contre biologique. D'aucuns diraient que c'est de la triche. Ouais. Et là le problème c'est qu'il y a 43. Plus Storm. Il reproduit 27 Bendings. Avec 27 Bendings il a crush. 27 Bane et une véritable transition. Ce qui lui a manqué à la game précédente. Il avait aucune transition late game à part les upgrades. Il aura des Broodlord. Et il y a les B5 qui est posé. On a bientôt 10 gaz. Hein. Il a 5 Templars qui vont arriver mais qui n'ont pas de quoi stormer pour le moment. Il n'y a pas de prise de fight vraiment convaincante de la part de Drogo, ça va partir maintenant. Regarde la conquête. Oh là là. Oh l'interception. Drogo. Oh, y a... Drogo okay, qui donne. Ok storm ici, tous les Bendlings. Oh les Archons oh, les connexions sont... de Bendlings. Est-ce que les Archons sont vraiment immoraux? Est-ce que les immoraux sont vraiment immoraux? Il n'a pas de storm, il est en train de tout donner. 115 de pop à 147, la concave qui est massif. Et là, il se fait chier dessus, effectivement. Et il y aura un switch Broodlord qui ne sera pas gérable. Je pense que Brogo s'est incliné sur ce move. Mais ah là là, Johnny Reko qui, là, on voit quand même sacrément du rêve. Hein. Le mass Bendling sur les Archons, rien à foutre. Si j'explose tous les Archons, mes Roches et mes Hydra peuvent se poquer, peuvent accumuler leur DPS et rentrer au contact. Reko qui continue ses upgrades. On aura le Crackling cette fois et les premiers Corrupteurs qui arrivent sur le champ de bataille. Aïe, 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 ça sent mauvais quand même pour petit Drogo, moi, je trouve, sur cette game. Les premiers Corrupteurs, tu l'as dit, mais aussi la transition Ultralis qui est développée. Et pendant ce temps-là, Johnny Reko, il n'a pas oublié de prendre des bases. Hein. Il est sur B5, on vous le rappelle, les trois Archons qui sont pas au corps à corps. Et qui ne peuvent pas envoyer le DPS parce que Stalker et Zealot à ce moment de la partie, ça ne fait plus la différence. Le kiting qui est bon, mais les immortels qui vont repousser la masse Hydra du joueur Zerg. Attention à ne pas trop donner avant les Broodlords. Hein. Attention à ne pas trop donner. Hyperino. Les Broodlords qui sont toujours pas en production, ils vont pas tarder. Voilà, ils vont être morphés ici. Mais dans tous les cas, Drogo vient juste de repousser son adversaire. Et le problème là, on a quoi contre les Broodlords? Je crois qu'on a même pas le blink, tu peux même pas faire. Si, on a le blink, ok. Va falloir compter sur les Stalkers de l'urgence et les Stalkers du génie surtout pour se débarrasser de ces 6 Broodlords désormais. Ouais. Des Broodlords qui vont bientôt balancer du Broodling avec plus 3 d'attaque, ça va être du Broodling de luxe, du Broodling que t'as pas l'habitude de voir en ZVP. C'est ça, et on est en train de reproduire du Zealot parce qu'on est à des années-lumière de savoir ce qui est en train d'arriver côté petit Drogo. Il n'a pas scouté la main depuis plus de 5 minutes, chose qui aurait été impossible sur Hotz, hein, tellement les Phoenix hallucinés pleuvaient dans le ciel du secteur Cropoulou. Ici on n'a pas du tout de vision et par conséquent ça va être bordélique parce que Broodlord, Roach, Hydra, Baneling, c'est une sacrée composition contre quelqu'un qui a majoritairement du Zealot dans la sienne. C'est ça, va falloir compter sur l'Iron Bite désormais pour Brogo. Est-ce qu'il lui a gagné déjà la deuxième partie? What the fuck, pourquoi il y a des drones qui s'échappent au nord? Je sais pas. Ok. El Misclico. Bon là c'est très très bien. Tu balances des Zealots dans tous les sens. Drogo a une bonne économie. Il a juste une armée complètement pourrie. Et t'essayes de gagner du temps avec tes Zealots. Puisque t'as pas envie que les Raymanta traversent la map. Dark Shrine qui est rajouté, c'est la même idée. Il est pas assez agressif, gros là. Et qu'est-ce qui empêche Johnny Reko d'avancer là? Le run by Zealot a été géré. La base n'est même pas tombée. Alors, oui, il y a la Xel'Naga. Xel'Naga qui va peut-être voir l'arrivée des Broodlord. Non, jamais de la vie. Il va perdre le contrôle avant que les Broodlord arrivent dans la portée de la tourelle de détection.
Ça va être compliqué, il va falloir stormer comme un génie, il va pas falloir se prendre 4 banlings qui vont se faire sortir tous les Templars. Il y a très peu d'antières, il fait des stalkers maintenant, mais les immortels ne servent à rien. Limite, faudrait drop storm là. Ouais, genre un petit drop storm. Prisme drop storm sur les trucs. Ok, ça a été vu désormais. Le problème, c'est on l'a vu très très tard. Et là, comment on s'y prend pour Johnny Rico? Ok. Attends. Hype. La hype de la stase. Les storms. Il a la vision, il va donner des Templars, il va en donner un. Oh, la stase sur les Broodlings! Sur les Broodlings! Broodling plus 3 d'attaque, les Rotidra et Benling ont le champ libre au sud. Ça sent mauvais pour Tidrogo qui pourrait bien se faire éliminer de ce qualifier. Position parfaite là des Broodlords, totalement inatteignable. Du coup, ça permet de mettre la pression sur l'entrée de la B2. Le run by a l'air d'avoir été géré en haut. Et là, les Remontas sont juste pas touchables. Il a pas la vision. Ah si, il a la vision. Il a un observateur qui est quand même pas trop mal placé. Est-ce qu'il peut s'approcher ici? Les Rotidra sont en train de mettre à sac la deuxième base. 97 d'army supply à 119 et une technologie tellement supérieure. Côté Zerg, il reste des Storms, mais pour l'instant, il est en train de se faire gratter. Attention, les deux Blink, il perd les Templars, il peut pas faire ça. Le Blink offensif, il y a des Painlink qui l'attendent. Ouais, du coup, il reste encore 4 Broodlords, plus que 3, mais tous les Hydra également. Drogo désormais avec 80 pop de retard, un Zergling qui a l'air d'avoir mangé pas mal de prop sur cette B5. Johnny Rico est en train de le faire dans cette partie. Johnny Rico va pouvoir avancer dans ce qualifier. Drogo, il y aura une dernière chance, ça sera demain, mais il va falloir être plus convaincant que sur les 3 présentes, puisque là on va encore une fois s'incliner face à un joueur normalement à sa portée. Ouais, c'est ça. Quand on voit le match-up arriver, certes, il a été dominé dans la première partie très rapidement. Mais côté Johnny Rico, on a un petit peu de créativité. C'était ce qui lui manquait durant sa période où il a été le plus fort au préalable, c'est-à-dire en 2012. C'est pas forcément le joueur le plus créatif. Là, on sent que ça pose des problèmes à Drogo et qu'à chaque fois, il y a une erreur d'exécution au moment où il doit plier la game. C'est ça. Je veux dire, il prend les Banes qu'il a pas le droit de prendre à chaque fois. Hein. Les Templars, tu vois que c'est pas encore ça, hein. Chez Drogo, la gestion des hauts Templiers. On tente un espèce de trade base du désespoir. Problème, c'est que même au bâtiment, il va le perdre en fait son trade base. Ouais, il peut pas le gagner là. C'est ça, c'est. Il y a des Broodlords défensifs à chef, t'as trois Stalkers gros. Et regarde les Broodlings, mec. Ah non, mais les Broodlings plus 3 et le Broodlord également à 0. Hein. D'ailleurs, les Transfuse Club, puisque voilà. C'est normal d'avoir de l'énergie à ce moment-là sur tes queens et c'est bien plus utile que d'avoir 50 larves qui attendent. GG! Et on perd le pauvre Drogo sur ce coup-là, mais c'était, je dirais que c'est au vu de ce BO3, une victoire logique. Oh bah, Johnny Rico qui a globalement été meilleur. Et en fait, il y a une game gratuite, mais les deux autres sont équilibrés. Plan de jeu aussi, bah, tu l'as dit, créatif, super sympa, et c'est peut-être ce qui manquait. Hein. Mais vraiment, vraiment impressionné par Johnny Rico. Très très bon pick-up de la part de Nuit Blanche. J'aurais aimé voir l'intégralité des Storms qui étaient encore dans le beat de tous ces Templars avant de mourir. Parce que pour moi, la game, elle est pliable à ce moment-là. Ouais, non, mais il a juste pas le droit. Et en fait, il y a deux erreurs. Aïe. Déjà. Il protège pas ses HT. Et j'ai mal laisse... à mon Protoss. Surtout, il prend tous les HT à chaque fois. Alors que quand t'as des HT full énergie, tu prends un HT, tu balances deux Storms. Si l'HT meurt une fois qu'il a balancé ses Storms, c'est pas optimal. Tu pourrais faire des Archons. Mais il a quand même fait la première partie de son travail. Voilà, et donc du coup Drogo qui se fait éliminer, qui aura une chance demain, puisque demain on fait aussi ce qualifier-là, mais la deuxième édition de la deuxième semaine. Et donc du coup Drogo aura encore une chance de se qualifier à ce moment-là. Mais ça fait pas mal d'opportunités ratées pour le mec qui vient de gagner la DreamHack. Ce serait dommage de ne pas être là pendant les Winter Championships, les Winter WCS. Dans tous les cas, nous on va faire un petit break avant de trouver la game suivante qui opposera probablement un Français à un autre joueur, puisqu'il y en a quand même pas mal des joueurs français de 10. On fait un petit break, on revient dans quelques instants.